Bienvenue sur Contact Pro Live. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes bel et bien sur Réflexion. Réflexion, c'est une tranche de Contact Pro Live que nous produisons ici à partir de Johannesburg. Si vous me suivez pour la première fois, je suis Germain Kaindo. Ça, c'est une émission de réflexion où nous réfléchissons ici sur les solutions que nous proposons à ceux qui nous dirigent. Parce que nous sommes dans un moment où notre pays est dans un tourbillon infernal où on ne sait pas exactement où est-ce que nous allions, où est-ce que nous arrivons, tozo kende wapi, tozo suka wapi, tobandi wapi. Tout le monde se pose cette question et le pays semble être divisé en deux, le pays semble être menacé, le pays a des rébellions, l'insécurité règne partout. Et personne ne pense à la solution profonde de notre pays. Quelle est cette solution profonde que nous avons ici, que nous proposons ici? C'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base pour que la base s'auto-prise en charge. C'est que la base puisse être à mesure de se prendre en charge sur toutes les matières, la sécurité, l'économie et tout ça. Et que nous puissions lui donner cette fois-là cette opportunité à s'exprimer et à appliquer cette démocratie et cette liberté dont elle en a besoin vraiment pour son subsistance et pour le développement de notre pays. C'est donc ça qui fait que nous avions créé cette émission depuis 2019 où nous parlons justement de la rétrocession du pouvoir. Nous proposons cette histoire-là, cette solution-là à tous ces politiciens véreux, à tous ces ces gens qui parachutent à la tête de notre pays, dont nous connaissons d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils feront. Ils n'ont aucune une vision pour notre pays. Nous essayons d'apporter notre pierre à la reconstruction de notre pays. Alors, qu'est-ce que nous allons parler de quoi? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler, comme vous aviez lu dans le titre, Félix Tshisekedi rentre main bredouille de cette conférence de la SADC dont il a participé la semaine passée. Donc, finalement, on est en train de partir à chercher les solutions ailleurs. Et quelle est cette solution que nous avons à main et que nous ne voulons pas appliquer? Les conséquences, justement, de cet retournement où nous pensons que les solutions ne viendront qu'ailleurs. Tokokendekaka kozulukaba solution Libanda. Ce sont les organisations internationales peut-être qui nous aideront à finir les problèmes que nous avons ici en République démocratique du Congo. C'est ça notre pensée, c'est ça la pensée de tous les Congolais aujourd'hui. Or, nous voulons nous déshabiller de cette histoire-là. C'est pour cela que nous, ici à Contact Pro Live, nous proposons la solution interne, c'est-à-dire la rétrocession du pouvoir, ou le pouvoir qui doit être exercé par des gens qui sont que nous voulons mettre en place. C'est ça donc qui va nous allons nous réunir et vous expliquer encore, même si nous n'aurons pas assez de temps, mais nous allons quand même vous introduire, surtout beaucoup, je vois beaucoup de gens qui nous ont rejoints cette semaine à cause de nos vidéos passées. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Continuez à vous joindre, continuez à vous abonner. Si vous aimez les émissions, faites un signe. Faites un like, comme ça nous aurons cette certitude que nous ne sommes pas en train de prêcher dans le désert. Donc, comme de toujours, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous ne vous laissons pas même bredouille ou bien vous venir avec des solutions sans pourtant vous informer de la situation qui se passe actuellement. Et dans quelle forme nous le faisons? Nous le faisons en vous récitant ou bien en vous lisant les grands titres des journaux qui paraissent sur Internet. Et nous avons choisi ici 5 journaux. Je pense que ce sont des journaux fiables et qui donnent des informations. Ils développent bien leurs informations. C'est pour cela que nous les avons choisis pour vous lire les grands titres. Si vous êtes intéressé, vous pouvez maintenant aller lire ça dans le détail sur leurs sites respectifs. Donc là, nous allons lire les grands titres et nous revenons tout de suite avec le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Mpox, la Côte d'Ivoire et le Cameroun enregistrent ses premiers morts.
Nord Kivu, le M23 poursuit son expansion, un nouveau village conquis dans les Loups-Bérault. Nord Kivu toujours, ces nouveaux animateurs de l'OLBLC nommés par le gouverneur intérimaire. Coup de feu retentissent au nord de la ville de Goma. On va sur actualité.cd. La SNEL demande l'abandon de matériel et à Maïdi et annonce le début des travaux d'électrification. Jacquemin Chabani lance les opérations de marquage d'armes à Kolwezi pour renforcer la sécurité en RDC. L'intersyndicale des magistrats met en garde le ministre de la Justice Constant Mutamba et rappelle le précédent Tunda. Congo profond, Mpox, la RDC, le gouvernement Siminyo en alerte pour faire face à un danger international. Interpellation de deux journalistes à Kenge, l'OLPA condamne la pression judiciaire sur les professionnels des médias. Nintendo ouvre son premier musée à Kyoto, un modèle à suivre pour la RDC. 7 sur 7, la première usine de production de boissons Pepsi est prête pour son inauguration. Et puis programme de marquage moléculaire, le ministre Sakombi endigue la contrebande. On va terminer par préparatif rentrée scolaire des parents déplorent les flambées de prix objectif classique à Kinshasa. On termine par Radio Okapi. Luanda, discussion de la proposition concrète pour un accord de paix durable et définitive dans l'est de la République démocratique du Congo. Constant Mutamba réhabilite les 2000 maraîchers d'Njili Sekomaf dans ses droits. Et Goma, l'ONG AISHIP lance la campagne de collecte de fonds en faveur de 600 enfants déplacés souffrant de malnutrition aiguë. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc l'actualité est prédominée justement par ce qui se passe à l'IDPS, tous ces imbroglios et le fait aussi de la justice. Vous aviez vu que le ministre, le nouveau jeune ministre de la justice, il est en train de taper très fort. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir qu'est-ce que j'en pense. Moi, je lui ai dit, c'est le temps qui mûrit. C'est lorsque nous évoluons dans le temps que nous pourrons voir si ce prophète est un vrai prophète ou c'est un faux prophète. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de difficultés que le nouveau ministre va affronter. Il n'a qu'à avoir des nerfs solides parce que ça ne sera pas facile. Et la façon dont moi je vois, c'est mon point de vue, c'est un garçon qui sort de cette philosophie-là d'attaquer le mal et de le prendre par le corne. Ok. En a-t-il la capacité? En a-t-il les moyens? Ça, c'est ça que j'ai dit. Il n'y a que le temps qui nous dira et qui nous fera confirmer si ce qu'il dit est vrai ou faux. En tout cas, moi, pour tout le monde qui se bat pour la liberté, pour la justice et pour surtout la libération de notre pays de cet imbroglio, de cet vacarme d'inconscience, tout celui qui est dans ce combat-là, je supporte. Nous avons un peu difficile à situer le ministre. Est-ce que c'est un kabiliste? Parce que nous l'avions vu avec Kabila. Il a commencé ses premiers pas politiques en approchant Kabila. Et il causait finalement avec Kabila. Est-ce que se sont-ils séparés? C'est une question. C'est-il quoi que ce soit? En tout cas, moi, je donne ma langue au chat. Ne me poussez pas à aller dans un terrain où je ne suis pas sûr et... Une chose que je pourrais parler ici qui pourra compromettre peut-être mes points de vue ou bien pourra peut-être blesser certaines personnes, c'est pour cela que je m'abstiens à commenter sur ce que le ministre de la Justice est en train de faire parce que c'est quand même quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et c'est un monsieur qui reprend pratiquement...
les combats de ceux-là, de nos pères de l'indépendance, qui avaient des discours et qui montraient une certaine vigueur ou bien une certaine optimisme dans le combat. En tout cas, il fait montre de ce genre de d'attitude lorsqu'il prend parole. Alors, Bandeko, je crois que pour ceux qui sont en train de me suivre sur notre page, page Facebook, on remarquait qu'il y a eu deux vidéos que j'ai fait, que j'ai mis là-bas, qui parlent de beaucoup de choses traditionnelles. Il y a des rois que j'ai rencontrés et beaucoup de gens m'ont posé la question: qu'est-ce qui se passe, Germain? Tu as quitté la politique de notre pays? Non, c'est pas quitter la politique. Les rois ici en Afrique du Sud, je vais en parler pour justement pour vous éclairer et vous dire pourquoi est-ce que ces vidéos sont sur notre chaîne qui parlent pratiquement de la politique. Parce que dans ces vidéos-là, il y a du Zoulou, il y a beaucoup de... Il y a en tout cas ce Sud-Africain. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis ça ici? C'est parce que justement, ça rejoint le sujet que nous sommes en train de discuter ici sur notre chaîne. La rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Ces petits royaumes de rois ici en Afrique du Sud sont en train aussi de se battre pour qu'ils puissent être reconnus et qu'on leur considère, parce qu'ils ont des terres qui sont pratiquement ont été pratiquement englouties par l'État. Et à un certain moment, l'État ne les reconnaît même plus. Mais ce sont des kings, ce sont des rois. C'est dans cette optique-là que pour les Sud-Africains qui ont rejoint aussi notre notre plateforme, malgré que on me demande: mais tu parles anglais, tu parles que français, tout ça, je n'étais obligé que de le faire. Pourquoi? Parce que, et vous faire comprendre que la lutte, elle est la même. La base ici, les rois d'ici, les rois, je parle des rois, qu'on parle de la culture, on les a coincés tout simplement dans les histoires de la culture, ne sachant qu'il y a des intelligences, il y a des hommes qui géraient pratiquement les royaumes. Ici en Afrique du Sud, il y a des petits royaumes, à part le royaume de Zoulou, il y a d'autres petits royaumes comme Nguema que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Il y a d'autres rois que nous étions dans une manifestation et ils sont en train au fait de se mettre ensemble pour qu'ils prennent les taureaux par les cornes en réclamant leurs droits. C'est pour cela que j'ai mis ces vidéos-là sur là. Alors nous sommes dans un projet où nous allons pratiquement aller faire parler les rois et même ceux du Congo. Je pourrais peut-être me retrouver le 24 à Mutuanga, où il y a une conférence du Kiasa, du Kianda. Hein? Ça, c'est le Bouma Bouabaïra. Ça, c'est vraiment à Mutuanga où les Banandes, tous les Banandes du monde vont se rencontrer et essayer un peu de discuter ce qui se passe chez eux dans cette nation Yira, comme on parle. Et donc, moi, j'encourage aussi cela. J'ai reçu l'invitation. Je pense que si Dieu me prête vie, et avant la fin de la semaine, si toutes les choses sont en place, je pourrais peut-être y participer, mais ce n'est pas encore certain. Je continue à attendre certaines deux ou trois petites choses à se mettre en place pour que je prenne la décision de partir. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans nos... Bandeko, la conférence qui s'est tenue au Zimbabwe, où Félix Tshisekedi a participé, nous avions lu tous les outcomes, c'est-à-dire le rapport. Quand Tshisekedi se rend à l'extérieur, avec tout ce qui se passe dans notre pays, nous qui réfléchissons, nous le voyons à deux angles. Mais beaucoup de gens, beaucoup de fanatiques, qui savent et qui nous diront que Félix se bat pour que cette histoire-là de l'Est puisse se terminer. Félix a vu à deux reprises le président angolais Lorenzo. À deux reprises, s'il vous plaît. Mais il est sorti maigre lui. On lui impose de parler avec le M23. C'est ça qui est derrière tout ça. Parce que lorsque on voulait la synthèse ou bien le communiqué frappant toutes ces rencontres, vous sentez que nous sommes en train de sortir perdants.
par deux reprises. Donc ce sont des hyperkits que Tshisekedi est en train de réfléchir, d'avoir à l'extérieur de notre pays. Et je me pose comme question, Félix Tshisekedi comprend-il les enjeux? Comprend-il ce qu'on est en train de lui dire? Parce qu'il continue à s'ancrer dans cette histoire, dans cet extrémisme de ne pas vouloir se mettre à table avec le M23. Or, il y sera obligé, il est grand temps à ce que le M23 puisse être freiné par une voie de négociation directe. Et ça commence à se faire, la pression commence à monter trop haut pour que Félix Tshisekedi se mette à table avec les gens du M23. Et c'est là où je me dis que si Félix Tshisekedi ne fait pas attention, ça sera trop tard. Le jour où il va commencer à voir que non, il faut tout sur l'ana bango kaka. Quel est cet enclume dans lequel il se fait? Il se fait une idée que Akosololaka jamais n'a pas coquille vide, il y a M23. Pendant que la communauté internationale, Makambo et Sololama qui na Zimbabwe, Nao et Sololama qui na Rwanda, na Luanda, on est en train justement de lui envoyer un message en lui disant, prends tes dispositions à aller causer avec le frère. Mais nous sommes dans une étape où Tozo Kota na étape à rouge. Parce que petit à petit, sur le plan international et sur le terrain, Félix Tshisekedi est en train de perdre. Félix Azo gagné. Na terrain, M23 est à Kokende. Malembe, malembe. Le M23 avance. Sur le côté intérieur maintenant, na opinion, oh, à côté, il y a intérieur et à Bakongole Nyoso. Toko solo la na M23 te. Epe sa maki na nani, epe sa maki na yemei Félix Tshisekedi. Il a endurci le ton en disant, pas question de causer avec ces gens-là. Ce sont des terroristes, on les a qualifiés de tous les noms. Entre-temps, sur les zones occupées par les M23, la paix se consolide. L'alliance fleuve Congo convainc. Masasi ebeta makalisu soute motongi samie komi kaka kote aba faire de ces les gens qui voyagent de Rutshuru à Goma, parce que il faut se le dire, il y a des courageux qui font Rutshuru Goma na batu bazako le kaba barrière wana ba camion peza ko kota na Goma uti ba Rutshuru. Goma continue à être approvisionné par le Rutshuru qui est occupé par le M23. Ne vous faites pas des illusions, mitukezo le kaba ma moto ezo kende. Bah, circulation, il y a à peu près une affaire, ce qui a 4000, ce qui 5000, 400000 personnes. Oh, bazonga qui da bazon na bango ba outi côté affaire de ces. Mais tout kaye na babilo ko belé, il y a des vidéos qui existent. Ce n'est pas moi qui invente ces gens, ces choses-là. Donc Alliance Fleuve Congo est ko rassuré sur terrain. Batu oba komi komona ke non abatu oba bande koloba boy makambo ango zandeni. De l'autre côté, là où Félix a, nous continuons à nous entêter en disant que nous ne collaborerons jamais avec ces Rwandais là. Nous avons stigmatisé ce combat là, cette rébellion là, que c'est une rébellion d'agression. Nous ne sommes pas en train de nous battre entre nous, mais c'est le Rwanda qui est en train de nous agresser. C'est comme ça que nous, c'est un discours farfelu que nous portons à l'international qui fait à ce que Félix Tshisekedi est en train d'échouer. Mais moi je me dis, si Félix Tshisekedi pouvait aller à l'international en disant, mes chers amis, nga naza kote o naza na rébellion moko eza kobota ma kote oyo. Bo sali sangai na mate rébellion wana. Ba pays mususu bakoki ko sali saye. Comme c'est le cas, comme on a vécu dans le cas de Mobutu, où la France est venue pour mater ba rebelle ba katangé na ba kolwezi kuna. Mais comme il vit dans un denial total, comme on dit en anglais, il refuse en disant que ce n'est pas une rébellion, ce ne sont pas les Congolais, c'est les Rwandais qui l'agressent.
Ami Diembe qui est moko singana kingo, l'international ne pourra pas l'aider. Bako sali sena modèle wana te, parce que Rwanda yebi ke baza en guerre te, nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda. Mais il dit que les Rwandais nous agressent. Les Rwandais vont vous dire que nous vous agressons comment? Et c'est ça l'ambiguïté dans laquelle Félix Tshisekedi s'est mis. Et pour la Kolongwana, c'est le pourquoi même de cette émission que nous mettons ici. Pour justement proposer une solution que Tshisekedi a talanamu. Ami Kitisa, il est attaqué de toutes parts. Il est attaqué na ba côté nyonsona sur le plan interne même ya mboka mboka za malamu te, c'est-à-dire que l'économie ne peut pas être bien. Les gens ne pourront pas manger bien tant que nous sommes pas agressés, mais nous avons des problèmes à l'est. Politique na biso ko kende mala e kozo kende ka bulu yeke, on sait même de son parti politique, regardez ce qui se passe en interne. Ça laisse à désirer, mes frères. Donc Félix Azap na place Azali, il est confronté à beaucoup de fronts. Il se bat sur tous les fronts, mais Azako perdre na ba front wana nyoso. Il n'y a aucun front où Félix Tshisekedi peut se dire que Azako gagne lelo. C'est difficile. Où est-ce qu'il gagne? Sur le plan économique interne. Moente na lobelia on est bandeli na bi makambo ya il y a problème à justice, il y a ministre à justice. Nous sommes en train de nous battre entre nous. Et c'est la même chose avec la rébellion qu'il y a Alliance Fleuve Congo. C'est qu'on est à avancer côté haut, bah magistrat peut baser au canaté na katia parti nae makamboza kozala bien te tout ça. Tozo kende wapi, tokosuka wapi finalement Félix. Et tout le monde se commence maintenant à revenir à Koloba keno ah Kabila zalaka nae moi bien. Kabila zalaka malamu koleka Félix si c'est que dit lelo. Makambo toza ko vivre lelo eza pas si mingi koleka pas si oyo
Tomona qui est pas yanani et pas ya Kabila. Tantôt c'est lui-même qui se contredit dans ses propos, tantôt c'est son. Donc Félix est attaqué de tout part et a commis Kozanga. Na kuna santé naye tout ça. Bandeko, c'est là où nous disons Félix atia moi mai na kati ya vere a vin naye avant kimia totala na en face to bengana to vanda na mesa to loba to sala nini na mboka na biso parce que mboka oyo eza mboka na biso nyoso. Et quelqu'un me demandera, Germain, qu'on s'allait mater nini. Parce que lui-même déjà s'est freiné. A mi kangela kinzela wana lobi, a koki ko coopérer na Martin Fayulu, te a koki ko coopérer na bab opposant et tout ça, tout. Moi, je ne suis pas dans ce schéma-là. Nana zana katia schéma wana te. Na kati ya shema wana ezali ke ye azoka nisake soka bengi batwana pembeni ne bakoloba mon cher yo aussi échoué toka bolaka pouvoir batunyo sotu. C'est comme cela que j'ai toujours dit, réfléchissons, mettons de l'intelligence avant de faire quelque chose. Toza la kaba naïveté, ne soyons pas émotifs, ne soyons pas cosmétiques. Nous devons apprendre à réfléchir avant de pousser un pion. Et comme ma biso wapi. Yo moko déjà obimi na media que non batwana ba mupe ba yaka kotala ngai poto na benga bande konanga to vanda ensemble. Ce pays n'appartient pas à certains politiciens. Ce pays n'appartient pas à ceux qui ont pris les armes ou qui ont des armes en main. Mboko eza ya FCT, mboko eza ya groupe ya bino abaluba, te obi a un certain trubite, te, mboka oyo eza ya mboka na biso nyoso tout, ça appartient à tous les Congolais, ce pays ici appartient à tous les Congolais. Ce que moi je pense qui devrait marcher, il faut préparer l'intelligence, c'est-à-dire que même idée ou la rétrocession du pouvoir au niveau de la base devrait être négociée na bande konaye. Tout le monde, tous ces leaders d'opinion, vous les convoquez officiellement, tala suki bakoyate. Vous pouvez même aller les voir pour les convaincre. Loba moi na mai problème ezali boza ezali sous likamuna ngate. Nous sommes en train de traîner les choses tant que nous ne nous mettrons pas ensemble. Voilà ce que moi je voudrais, c'est que Oyako assiste tout ça la conférence Moko. Et c'est ce que nous pensons ici. Et là, on a un contact pro live. Félix Tshisekedi devrait se battre en interne. Tikana nous maman, quand moi na ba voyage, ba consultation na yo. Consultez les grandes personnes et prenez une décision que Batouana Oyo consulta qui Bako sapote message Oyo par exemple à Koloba Tobenga dialogue national. C'est-à-dire quoi? Le dialogue que nous prenons ici et que j'y reviens toujours de temps en temps, c'est un dialogue qui préparera la 4e République. Nous devons finir la récréation. Babilo koyo mutamba Constanza ko sala et ko simba sokito koti vraiment nan place ya Kimie Zali. Sinon ko zala acharnement ko mona ke batu mususu baza ko zala acharné tangu nani lion azako li eloko na yo zolinga oya akomona ni tozo tungisa ye. Les gens qui sont en train de vivre o baza ko profiter na situation oyo. Tango yozo linga ko frene ango tango na tanke boyo kanite e ko divisa kaka kabiso. C'est ainsi que nous sommes dit. J'ai donné un exemple par exemple. J'ai dit il a fait il Tshisekedi Félix Abimina sorti moko médiatique alobi ke no ya ko ko solana batute batwana bazaba batomboki wana bazaba agresseur bazaba tu Rwanda il se ferme lui-même sa porte. A kosolaka na Rwanda. Rwanda lui-même, il dit bon, ok, biso to kosolaka ka likambwa FDLR. Okosili sa yango to okosili sa yango te. Likambwa FDLR, est-ce que okiko sila lelo?
Rwanda yebi. Et il en profite justement, c'est que parce qu'ils savent que non, yebi batouanate. Les Congolais ne connaissent pas le phénomène FDLR. Tshisekedi, quand il accepte que non, biso tokota la moya kosili sa batouana. Yebi bango, yebi place bazali. On vous a dit que non, FDLR baza au sein du FARDC. Tu es incapable même à distinguer à koloba que non, infiltrer nos solongo la bango. Félix est incapable. Nous ne pouvons pas le nier. Il est difficile aujourd'hui ya ko faire face comme République démocratique du Congo na makambo ya ba FDLR. Et donc ça, c'était une porte que Félix Tshisekedi s'est encore fermée à Mikangela qui est moko porte wana pona ko faire avancer ba négociation avec le Rwanda. Le Rwanda l'a attrapé, Rwanda kangie na kingo. Bandeko, où est-ce que nous allons na position ya mokonzi na mboka na biso na makambo? C'est pour cela que moi je vous ai dit, non, nous pensons que si Félix Tshisekedi pourrait se concentrer à chercher la solution en interne, ya kotonga mboka ya sika en allant lui-même en prenant son bâton de pèlerin à kende kotala à kende na fade na house. Et qu'on diminue à tana eloko mon côté. A kende pa katumbi. Et qu'on diminue eloko mon côté. A tikaba makambo ko diabolise batou. Et qu'on diminue eloko mon côté. Plutôt ça va être dans le sens yako lukape na mboka na biso. Faire passer cette idée-là de la 4e République, d'une nouvelle République que nous devons refonder. Avec comme cheval de bataille yako négocier. N'a pas de leader d'opinion en se disant, en ayant un discours conciliatif. Mais Tshisekedi n'entend pas de tout de ça. Et Zakaka, pouvoir sur le pouvoir, c'est ça le mal. Et nous avions pensé ici qu'avec les états de lieu de chaque territoire pourra aider beaucoup notre pays. C'est-à-dire, Tobandana Kosala Mboka Yasika, nous ne perdons absolument rien. Et qu'on constitue un coup tout, et qu'on peut s'abîmer poids, n'a pas beaucoup belé à Kolobakeno, bah Congolais finalement va avoir conscience. C'est-à-dire, nous devons négocier entre nous. Et cette négociation doit être différente à Babiloko et Zala et les Kakas, et les Kana et les Kakala. Oh, bah tout le monde va faire qu'on l'a solutionné. Non, il faut involver tous les Congolais. Moutounio surtout à Zala concerné. C'est-à-dire, et l'Okwana. C'est que Mobutu voulait faire une consultation populaire. Mais maintenant, la forme que nous pensons ici, c'est d'appeler les états déliés de chaque territoire. Batounyon son akati aba territoire na bango, bakende ko s'imprégner na ba réalité à mboka na bango et trouver des solutions en interne en disant awa na mboka na biso désormais. Likambo ko simba mandoki esili, likambo ko bomana esili awa biso nyonso totie maboko ensemble et nous signons un pacte de paix, chaque territoire signe un pacte de paix pour assurer pour que nous puissions appartenir à cette nation congolaise. Tolongo la bato bazako euta soki wapi to ebi bango te to bango balingi bakamba biso. Rétrocédons le pouvoir au niveau de cette base là. C'est ça le combat dans lequel nous sommes ici à Contact Pro Live. Bato bozako la nanga pona pour la première fois, soko za abonné te vraiment je t'en supplie de vous abonner parce que tozo développa ka sujet oyo na ndenge comment est-ce que toi ko sala yango. Dans les 145 territoires, comme je disais par exemple, les Nande du 24 au 31 août bakovanda ba solo la makambo banande na Mutuanga. Mutuanga, c'est un village. Peut-être vous êtes là, vous n'avez jamais entendu parler de ce petit village-là. C'est justement au flanc du mont Rwenzori, à l'est de la République démocratique du Congo. Tous les Nande, tous les intellectuels Nande vont réfléchir. Pourquoi Mawadja Peko Yanini? Qu'est-ce que nous faisons pour sauvegarder notre État? Comment est-ce que nous imprégnons pour développer notre pays? Les questions fondamentales devront être posées à cette conférence-là. Mais maintenant, il faut maintenant officialiser. C'est comme ça que j'ai dit. C'est très facile aujourd'hui si ça commençait par celui qui a le pouvoir. C'est comme ça que j'ai dit à certaines personnes que Félix Tshisekedi est dans la bonne position à entamer ou bien qu'on chiter la 4e République. Il est la meilleure personne aujourd'hui.
ce qui a su annoncer à l'obi, bon, ok, nanga na batuna okuna, moi je viens avec ma délégation, nous allons nous mettre d'accord. Ce n'est pas pour partager le pouvoir, mais pour proclamer la 4e République. Joseph Kabila a fait ça pour réunifier le pays. Il y a une négociation, les négociations, et ça s'est terminé comment? Avec un truc, Makamboasan, si tu as un poto koto, tu crées une constitution asika. Moi, je pense que c'est dans cette optique-là, Félix devrait aller voir Katumbi. Il devrait aller à Fadenhaus avant d'y aller à diminuer pour que le pays vous élève. Ndenge tozo kende mes frères, tozo kende mabe. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en espérant que vraiment, vous qui me suivez très religieusement, vous trouvez quand même ce que nous parlons avec un sens. Et c'est pour cela que, natango toza komona batbaza ko s'abonner, nous nous en réjouissons. Et pesa kabiso vraiment esengo. Yakoye bakeno tolobaka dans le désert. Nous parlons à des humains qui nous comprennent. Et ma réaction na bino tango muto benga kanga Germain, tu as dit ça. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça m'enchante et je me sens encore vive. Je me sens que non, je suis en train justement de faire mon devoir d'apporter ma petite contribution pour la reconstruction de notre pays. Merci donc vraiment. Et comme vous savez, nous avions décidé à ce que nous puissions être là. Les émissions live, nous ne l'avons pas suspendues parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Comment est-ce que je ne viens plus sur les émissions live? Bandeko, toza naba moi, ba programme est belé, belé. Surtout les Kambo, il y a Likambo et Babaroua, ils m'ont sollicité, je suis dans ces projets-là, et ça me prend beaucoup de temps, je ne peux pas faire autrement, je m'embarque surtout dans cette histoire-là, pour que Likambo, parce que c'est la même idée, l'objectif est une rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Il y a des partis politiques et le MK que nous avions visité, que nous avions, nous sommes partis. Nabatouana, naba réunion à Minene, Minene, où on parle justement de cette rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Babilo, Batouna, Batouaza, Kobaza, naba challenge, nabango, où on vous sollicite d'aller là-bas, vous ne pouvez pas refuser. C'est ça, vraiment, vous allez m'excuser, mais de temps en temps, je suis en train de faire un effort. Ce qui, Nanyo et Sili, je crois que nous allons reprendre ma émission live, na réaction, na biso. Alors, portez-vous bien, on se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.